Il semble un peu seul au monde sur cette étendue de terre volée à la mer, et ça lui va à merveille. Peut-être est-ce l'idée d'un combat hors norme qui l'a attiré là, dans une maison où le silence est d'or. Pour y pénétrer, il faut d'abord tromper la vigilance de l'espiègle Capucine. On découvre alors un décor à l'image de l'homme, humble et libre. Voici tout le bazar de Raoul Servet, à 91 ans, le père de l'animation, a toujours le crayon au bout des doigts. Bonjour. Une apparition. Merci de m'accueillir dans votre havre de paix, Raoul. Merci. Et je vois que vous êtes en plein travail. Oui, je prépare un nouveau film. Oui. Mm-hmm. Et on peut savoir déjà sur quoi il portera, quelle sera la thématique? Il s'agit d'une fiction qui se déroule durant la Première Guerre mondiale. Mm-hmm. C'est la rencontre entre deux soldats ennemis, un Français et un Allemand, qui ne parlent pas la même langue, qui ne se comprennent pas du tout, qui sont ennemis et qui, par un hasard, se lient d'amitié. Mmh. Et finissent par partir ensemble vers un avenir plus agréable. Ouais. Et c'est quoi ce hasard? C'est leur amour réciproque pour les pigeons. Et d'où vous est venue cette idée? Bon, ça vient comme ça. Surtout la nuit. La nuit. Je dors mal, alors je rêve éveillé, quoi. Je rêve éveillé et j'imagine des histoires, quoi. Et alors commence la seconde phase. Après l'inspiration, vient la phase de transpiration. Je dois combler les trous, combler les trous et faire quelque chose qui est plus, qui a plus d'unité, qui est plus logique, quoi, voilà. Mmh. Et donc, il y a une phase d'imagination, une phase de transpiration, et il y a une troisième phase où ça s'arrête Ça s'arrête la phase de concrétisation. Quand j'ai suffisamment transpiré. C'est incroyable de découvrir à quel point, aujourd'hui encore, vous êtes actif. On pourrait penser, voilà, vous avez reçu un Magritte d'honneur il y a quelques mois, que votre carrière à 90 ans... 91 est derrière vous, mais non, elle continue. Oui, je ne peux pas m'arrêter. Mm-hmm. Ah non, je serais très malheureux si je devais m'arrêter et prendre ma pension, comme on dit. Non, non, je reste actif. En dehors de mes projets de films, j'écris aussi des romans. Donc j'ai écrit un roman qui a été publié, qui s'appelle... Conte philosophique de l'éternel présent. Oui, c'est ça, voilà. Et puis je viens d'écrire un autre roman qui n'est pas encore publié, qui s'appelle Grisaille. Grisaille. Grisaille, oui. Vous l'écrivez ici à cette table? Je fais tout ici à cette table. Je mange ici, je réfléchis ici, je dessine ici, j'écris ici, voilà. Mm-hmm. Et est-ce qu'on peut voir ce roman? Est-ce qu'il est terminé? Est-ce qu'il... Ah, il n'est pas terminé, mais je peux vous montrer les papiers, bien sûr. Ah oui, avec plaisir. Mais il s'agit d'une fiction qui se déroule dans les années 30, ici en Flandre. L'apparition des mouvements d'extrême droite. Voilà le sujet. Mmh. Et ma crainte aussi de l'extrême droite.
C'est une crainte que vous avez toujours et encore aujourd'hui. J'ai vécu la guerre, j'ai vécu l'occupation nazie, la collaboration, et ça m'hante encore toujours. Dès ses premiers films, Raoul Servet dénonce toutes les formes de dictature et met en scène la résistance. Lorsque les nazis envahissent la Belgique, Raoul Servet n'est qu'un collégien de l'Athénée royal d'Ostende. C'est la première fois qu'il y retourne depuis ce jour noir où il évitera de justesse la déportation. Vous vous souvenez encore d'où était votre classe ? Ma classe se trouvait par là. Par là et à gauche. Bonjour, Goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja. Quel est votre sentiment là? Ça va? Vous vous sentez bien quand même? Aucun problème. Het is lang geleden ook. Ja, het is een hele tijd. Wij hebben nog vaker mensen die terugkeren, die hier langere tijd zijn afgestudeerd en die nog eens terugkomen kijken. Die gewoon binnenlopen en vragen van mogen we het lokaal nog eens zien. Slechte periode. Ja, het is natuurlijk als je midden in de oorlog zit, dan is dat... Dat is geen gewone schooltijd. Dat is niet zoals de normale mensen een gewone schooltijd doorgaan. Er waren wel een paar leerkrachten die in het verzet waren. Maar er waren ook een paar die collaboreerden. Je had ze ook aan twee kanten in de school. Ja. Dat was geloof ik in 1942 of 1943. Op het ogenblik dat Winston Churchill het V-teken had bedacht. En dat zag men overal in Oostende, op de gevels, op de voorlanden. Op de trottoirs, overal V's. En hier in de turnzaal hadden ze een enorme V getekend met krijt. Op de ganse oppervlakte. Ja. Ik heb nooit geweten wie het gedaan heeft. Maar alors, pourquoi est-ce qu'on vous a accusé? Voilà. Eh bien, on m'a accusé parce que le hasard voulait que j'avais en poche un morceau de craie. Et les agents de la Gestapo nous ont fouillés. Ils ont trouvé donc le morceau de craie dans ma poche, donc j'étais moi le responsable. C'était moi, soi-disant, qui avait fait le V dans la salle de gymnastique. Et alors, ils m'ont donc arrêté. Je me disais, je ne sais même pas prévenir mes parents, qu'ils vont peut-être m'amener en Allemagne. Mais alors, il y a un surveillant de l'Athénée qui a dit, attendez aux gens de la Gestapo, il doit d'abord se faire désinscrire au bureau du préfet. Alors ils m'ont amené donc chez le préfet. Et là, le préfet était un homme terrible. Tout le monde avait peur de lui. C'était une espèce de dictateur, mais il n'était pas collaborateur. Et alors il m'a tellement engueulé. Il m'a dit que j'étais la honte de l'école, que j'avais fait ce V. Mais je dis, je n'ai pas fait ce V, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Il ne m'écoutait pas. Il a dit, je vais vous punir très sévèrement. Et comme il a dit ça, les deux gens de la Gestapo se sont regardés, ils se sont dit, tiens, il va être puni sévèrement, on s'en va. Ils sont partis. Donc, en fait, le préfet, en m'engueulant et en me donnant une grande punition, m'a sauvé la vie. Raoul, comme tous les étudiants de l'époque, sera évacué du collège en 1944. Il n'y remettra plus les pieds. Et si les jeunes d'aujourd'hui connaissent son nom, son œuvre, rares sont ceux qui savent qu'il a partagé avec eux les mêmes bancs. Ik was in bepaalde vakken een zeer goede student. Ik was heel goed in de taal, Nederlands, Frans, Engels, Duits. Ik was ook zeer goed in geschiedenis en in aardrijkskunde. Maar ik was archi slecht in de wiskunde. En daardoor heb ik dus tweemaal
zesde leerjaar moeten doen. En dan zei ze een derde maal. Maar de derde maal was ik zo gedegoteerd dat ik zei, ik ga niet meer studeren. En ik zat achteraan in de klas tekeningjes te maken en ik luisterde niet meer. Dat was mijn manier om te protesteren. Ik heb dus niets meer gedaan. Ik staakte voor je. Ja. Ik vind dat u een zeer specifieke manier van tekenen heeft, die je eigenlijk niet in andere cartoons ziet of zoals andere films. En ik vroeg me af hoe dat u zichzelf dat, of u dat zichzelf heeft aangeleerd, of waar die stijl vandaan komt. Waarom dat je voor die stijl hebt gekozen? Ja, maar kijk, om op uw vraag te antwoorden. Ik heb dus wel een kunstschool gevolgd. Ik heb leren tekenen. Ik kon al een beetje tegen voordien. Maar ik heb mijn tekenkunst verbeterd met op de academie te gaan, kunstacademie. Maar een film maken heb ik allemaal zelf moeten ontdekken. Er was geen school, in die tijd was er geen school waar men dat kon leren. Dus heb ik zelf moeten alles experimenteren en zelf alles uitvinden. Het heeft lang geduurd. Nu leren de studenten de essentie van een animatiefilm op een paar dagen tijd. Verstaat? Ik heb er jaren moeten doen. Omdat ik niet wist hoe dat het functioneerde. Ik heb alles dus moeten zelf experimenteren. Het heeft veel, veel tijd en veel geduld gevraagd. Je vais vous raconter une petite anecdote. Volontiers. Si ça vous intéresse. Vous voyez cette tour là-bas avec l'horloge? Oui. Oui. Bien, nous étions une dizaine de gamins, de sales gamins, et nous sommes introduits dans cette horloge. Et il y a un souterrain qui conduit jusqu'un peu plus loin. Et ce souterrain, le sol était couvert de paille. Et le dernier de nos gamins, qui était un Italien, il était un peu pyromane. Il a mis le feu à la paille. Alors on a continué, mais la fumée nous rattrapait, les flammes nous rattrapaient. Et nous sommes arrivés là un peu plus loin, à la fin du souterrain. Et alors, c'était un mur en béton. Je dis, mon Dieu, on est bloqué, on va être étouffé ou bien brûlé. Alors, je sentais plus haut et j'ai senti qu'il y avait quelque chose en bois. Alors, j'ai demandé à un des gosses de me soulever. J'ai appuyé sur la paroi. La paroi est tombée et nous avons pu nous échapper. Le feu a continué à brûler et est entré dans cet endroit qui était les archives du régiment allemand. Ah bon? Et ça a flambé. Alors, nous, on s'est encourus dans la rue adjacente par là, tous les gosses, les sales gosses. Oui. Mais on paniquait, on a couru autant qu'on pouvait. Mais les Allemands tiraient sur nous. Et donc, là encore, un peu malgré vous, vous avez été associé à des actes de rébellion. Oui. Oui. Donc, je vois le phare ici. Oui. Et je ne peux pas m'empêcher de penser évidemment à votre film d'animation. Ah oui, le tout premier film que j'ai fait. Les Lumières, Lumières du port. Oui. Comment vous est venue cette histoire? Mais parce que ma chambre à coucher était une mansarde. Et il y avait une fenêtre d'où je voyais les rayons du phare. Et quand il y avait une tempête, je me disais, mon Dieu, j'espère que les pêcheurs pourront voir la lumière du phare afin qu'ils puissent retrouver le chemin vers le port d'Ostende. Donc j'avais peur pour les pêcheurs.
Au musée d'art moderne d'Ostende, une aile entière est consacrée à Raoul Servet. On peut y découvrir les trésors d'ingéniosité et de patience déployés par un homme qui rêvait de voir ses dessins prendre vie. Je voulais déjà depuis très longtemps faire du dessin animé, mais je n'avais pas les moyens de m'acheter une caméra, ni même de louer une caméra. Mais j'étais étudiant à l'Académie des Beaux-Arts de Gand, et j'avais un jeune professeur qui croyait en mes capacités, et qui m'a dit, écoute, tu n'as pas les moyens de t'acheter une caméra, je vais t'en fabriquer une. Et c'est lui qui a construit cette caméra, avec une vieille boîte de cigares, des pièces de mécano et une vieille lentille. Et j'ai fait mes premiers essais de dessin animé avec cette caméra-là. Incroyable. Oui. Alors, comment vous avez fait pour organiser les différentes thématiques, justement? Mais c'est madame qui s'en est chargée. Moi, j'ai seulement apporté le matériel. Elle dit que c'est vous. Moi, j'ai apporté le matériel et elle a présenté comme elle le voulait. Et elle a très, très bien fait, d'ailleurs. Dank u. iets van in het begin. Raoul, jij kwam altijd met mapjes af. Mm-hmm. Je kwam altijd mapjes brengen met tekeningen en... scenario's en allerlei materiaal dat eigenlijk voortdurend werd toegevoegd aan ja, het groeiende project dat hier gaande was. C'est vrai que quand on se promène dans l'exposition, ce qui frappe, c'est tous ces matériaux qui existent, que vous avez gardés, toutes ces premières épreuves, ces premières esquisses. Ja, en ik denk dat het nog maar het topje van de ijsberg is. Ah. Oui, et où est le reste de l'ijsberg? Non, il y a encore 10 fois plus que ceci. Ah bon? Ja. Caché dans des réserves. Oui. Ja, het was echt fascinerend, want het is niet mijn vertrouwd terrein om te gaan werken rond cinema of presenteren of tentoonstellen van cinematografisch werk. Dus helemaal mijn expertise niet. Dus ik vond het ook heel boeiend om te zien hoe dat je eigenlijk animatie als een medium kan gaan tentoonstellen op een iets wat statische manier. Ook weer niet, omdat we ook wel film tot zijn recht laten komen. We hebben de cinema gebouwd. Maar het was een uitdaging om eigenlijk de technieken die Raoul met de jaren heeft ontwikkeld... Om de servigrafie. De servigrafie bijvoorbeeld. Om te gaan zien hoe dat we dat kunnen tonen in de ruimte aan de bezoeker. Hoe dat zoiets in elkaar zit, hoe dat gemaakt wordt. Wat voor een traagheid dat daarin zit. Zo de eerlijkheid van het tonen van de techniek achter een tekening. En puis on voit aussi exposer là juste devant nous la Palme d'Or. Oui, et là c'est la première Palme d'Or qui a été donnée à un Belge. Mm-hmm. Vous pouvez pas vous imaginer quelle surprise c'était pour moi, parce que moi j'étais convaincu quand le film était terminé que j'avais fait un très mauvais film. J'étais convaincu. Je dis qu'est-ce que j'ai fait, quel fichu film j'ai fait. Et puis je l'ai montré d'abord à quelques amis parce que je n'osais pas le montrer en public. C'était tellement mauvais, cette image. Et je l'ai montré à une demi-douzaine d'amis. Et puis après la séance, il y a eu le silence dans la salle. Je dis, ça y est, ça confirme que j'ai fait un très mauvais film. Ils n'osent pas dire ce qu'ils pensent. Ils sont polis, ils n'osent pas le dire. Mais alors il y a un des 6 qui est venu vers moi. Qui m'a dit, écoute, c'est un film formidable. Mm-hmm. Ouf. Maar u heeft mij verteld dat de actrice die Harpia speelde, dat ze nog jaren later nachtmerries had van haar eigen rol. Ja, inderdaad. Dat vond ik wel heel fascinerend. Oui, l'actrice est une actrice hollandaise. Mm-hmm. Et elle m'a raconté quelques années plus tard, elle me dit, tu sais, elle me dit, j'ai rêvé, j'ai eu des cauchemars pendant plusieurs années. De cette artiste. J'avais peur de moi-même en jouant ce rôle-là. C'est vrai que c'est un peu noir quand même. Hein? C'est un peu noir. Hein? Thank you.
de tous vos films, quel est celui qui vous ressemble le plus? Vous savez, il y a les critiques de cinéma qui ont toujours dit il n'y a pas qu'un seul cerveau, il y a beaucoup de cerveaux. Il y a autant de cerveaux qu'il y a de films. Mm-hmm. Donc je suis un de ces films, mais lesquels je ne sais pas. Vous les aimez tous de la même manière? On dit que vous êtes souvent mécontent du résultat. Toujours, je suis toujours mécontent. C'est vrai. Mais il y en a quand même un, peut-être, je suis perfectionniste, que vous aimez plus que les autres. Ah, le plus court. C'est lequel? C'est Goldframe. Il y a moins d'erreurs dans celui-là parce qu'il est le plus court. L'avènement du numérique a résolu d'un trait presque cruel ce que Raoul a cherché durant des décennies. Lui, qui inaugura la première section d'animation dans une école d'art en Europe, s'est vite entouré de ses meilleurs élèves pour animer ses créations. C'est facile de collaborer avec Raoul? Absolument. Yeah. il n'ose pas dire le contraire. Nee, maar absoluut. Hij was mijn leermeester in de school. Mm-hmm. Dus ik heb les gehad. Et c'était un bon professeur? Absoluut ook. Mm-hmm. Oui. Ja. Et donc il vous a repéré? Voilà. Et vous, de la nouvelle génération, vous étiez alors avec... Oui, de l'époque. Et de l'époque, vous maîtrisez sans doute les dernières technologies, c'est ça? De technologie van computers en zo is eigenlijk maar na de tijd van Raoul gekomen. Dat is eigenlijk maar de jaren 90 dat dat beginnen is in gang vinden. Oui, ja. Avant, c'était comme ça, là. Vroeger was het dat. Was het een lichtbak waar dat er tekeningen opgemaakt werden op papier. Mm-hmm. En dan tekening, de volgende tekening en de volgende tekening. Je n'aurais rien pu l'apprendre au niveau du digital. Hein. Parce que lui, il s'y connaît beaucoup mieux. Et montrez-nous un petit peu, parce que là, on voit, donc c'est le dernier... Dat is een ontwerptekening van Raoul. Mm-hmm, hein? De Tank, van c'est Tank, ça ja. Sorti en 2015, donc il n'y a pas très longtemps. Hein. Non, dus ja, dan, op basis van die tekeningen heb ik hier dan doorgewerkt. En dan in principe krijg je, als je de animatie afspeelt... Dat draait nu in loop, hè. Et donc, où sont les dessins? Il y a un seul dessin original? Het zijn, zijn dus, dus, dus dat is telkens een nieuwe tekening. Mm-hmm. Zie je? Ja. Ah oui. Donc ça, c'est la machine qui fait. Dat is ik die de tekeningen maak, mm-hmm, met de hand. Dus mm-hmm, ik kan hier, als ik nu een lijn, een potloodlijn pak, bijvoorbeeld, kan ik hier... Dus nu heb ik de kleurenlaag erbij gemaakt. En dus in principe kan ik hier, mm-hmm, dus op tekenen. Et c'est facile. Donc, à partir d'un dessin original, d'un dessin de recherche, donc de continuer l'histoire, ça doit être compliqué, quand même. Nee, maar we krijgen dus heel precies een storyboard van Raoul. Mm-hmm. Dus waar dat eigenlijk heel precies staat wat dat er allemaal moet gebeuren. Donc, par exemple, il vous dit là, il cache sa avec sa main gauche, il cache son visage. Er komt iets aan en hij heeft bang, dus hij schrikt. En hij zorgt voor de... Dus dat is een tekening die ik van Raoul krijg. Mm-hmm. Deze tekening bijvoorbeeld. Mm-hmm. En op basis daarvan vertrek ik voor heel de scène te animeren. Et Raoul a une surprise pour vous, parce qu'il espère travailler avec vous sur son prochain. J'espère et hoop voor de volgende film van Mayo te kunnen werken. Graag. Maar ik beslis niet, zijn de producenten die beslissen. Nee. Maar ik hoop het, ik zal proberen al wat dat ik kan voor Mayo erbij te betrekken. Sympathiek. Ik zal u een keer het een en het ander tonen van het volgende project. Hè. De film met de voorlopige titel Duiven is gedeeltelijk live action en gedeeltelijk animatie. Dus ze zeggen, live action is primordiaal, maar er zijn dus flashbacks. En de flashbacks zijn een animatie. Voilà, zie je, de stijl zal ongeveer zo zijn. Helemaal herkenbaar. Ja, reconnaît-la. En pourquoi il n'a pas de visage? Parce que les visages sont live action dedans. Ah oui, ok. Ouais. Dus live action gaat de wezen, de gezichten gaan dus... Donc là, ce seront des acteurs. Ce seront des acteurs, oui. Des gezichten. Kijk, met plezier. Pardon? Met plezier. Met plezier, is goed.
Ik zal mijn best doen. Dat is goed. Ja. Il faudra encore bien des nuits blanches, des gouttes de transpiration pour que ce nouveau film, le 16e de Raoul Servet, prenne vie. Mais dans cet éternel présent dont il a le secret, le magicien d'Ostende a tout son temps.